Hey, bonjour, c'est Naïd Rachel depuis Central Park à New York. Je suis tellement heureuse de faire cette vidéo parce que pour moi, elle représente énormément de choses. Parce que je m'étais toujours promise que un jour j'allais courir à Central Park, je savais pas quand, mais je savais que j'allais le faire. Et pourquoi je suis contente? Parce que ça faisait partie de ma liste, la liste de mes rêves. Et ça, la liste, je l'avais vue dans un film aussi, The Bucket List. Et c'était magnifique. C'est des personnes qui avaient mis une liste en se disant, voilà toutes les choses que j'ai envie de faire avant de mourir. Et c'était tellement puissant parce que la personne réalisait ses rêves l'un après l'autre que je me disais, waouh, je vais faire la même chose. Et depuis, j'ai une liste moi aussi que je relis tous les matins pour stimuler mon cerveau. Et j'associe à cette liste des images avec surtout des émotions super puissantes, positives. Je fais en sorte comme si c'était déjà là. Ce moment-là, je vais m'arrêter pour le célébrer avec vous. Ce moment, je l'ai imaginé. Ce moment-là, comme ça, à Central Park en train de courir, je l'ai imaginé plusieurs fois. Et aujourd'hui, il se réalise. Donc, très simple. On ne change pas une équipe gagnante, on ne recrée pas l'eau chaude, on prend des modèles qui réussissent et qui marchent bien. Personnellement, j'ai testé le pouvoir de la liste, j'ai testé le pouvoir de la lire tous les matins, de la porter sur soi et je vous assure que ça marche tout le temps, chaque fin d'année quand je fais mes bilans, je vois que la majorité de ce que j'ai bien pu mettre sur ma liste, c'est réalisé. Feuille de papier, un stylo, rêver comme si le temps et l'argent n'était pas un problème. Mettez ça sur du papier, relisez-le, nourrissez-le, chérissez-le, associez une belle image puissante avec des émotions extraordinaires. Faites comme si c'était déjà là. Toutes les fois où j'imaginais que je courais à Central Park, j'imaginais que j'étais déjà là, comme ce moment. Et here I am, je suis là. Donc c'était Coach Naïd Rachel depuis New York, Central Park, en train de réaliser un beau rêve. Next! Maintenant, je suis impatiente de pouvoir réaliser les autres. Et life comme.